Et bien salut tout le monde, c'est Xvisk, aujourd'hui on se retrouve pour une aventure sur Wolfenstein Youngblood. A mon avis on doit pas trop être loin de la fin. Bon, si je devais donner une estimation je dirais 3-4 missions, ce qui fait quand même un Wolfenstein assez court, mais bon. En même temps à 30€ je pense que fallait pas s'attendre à mieux. Tu tiens le coup, Abby? J'ai le gap d'analgésique. Merci de nous avoir sauvé les miches avec le mot de passe. Ouais, sans toi, sûrement, on aurait sûrement échoué. Merci. Il est temps de tout péter là. Là, y'a pas d'alarme. Ouah, c'est tellement cool ça! Hop, ramasser et ajouter l'inventaire. Nice. Du coup, attendez un instant. Je vais dans armes. Elle est là. Ah ouais, je peux vraiment l'améliorer. Marrant. La question c'est où est-ce que je peux avoir les munes. Cette vie, ça serait peut-être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Des lunettes 3D. Elles claquent grave. Ok, bon, on y va. Hop, on prend ça, on prend ça. Tiens, y'a quoi derrière cette porte? Plein de munes, Lucette. Plein de petites munes. Allez, on va les faire. Allez, hey, salut! Descends ici? Descends ici. Je vais lui donner une bonne leçon à ce commandant. C'est même pas un commandant. Comment vous êtes mort? Ah pas encore. Ce qui est marrant dans le jeu c'est que je fais même pas attention à ma vie tellement j'en ai. Donc, du coup le côté invincible, ouais je le sens bien. Bah, sauf quand on affronte un... Oh bordel, non je sens plus en fait le côté massif. T'as envie de réparer ton armure? C'est bon. Tu meurs. Ah ouais, tu es du nazi, c'est ma passion. Qu'est-ce qu'elle fout? Ah! Merci, Sof! Merci, François! Je crois que j'ai marqué là-bas! Citadelle passe en priorité! Aïe! 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 Eh merde! Oh, je suis KO, Sof! À nouveau en scène, ma belle! Voilà! C'est parti! Pas de problème! Ah, maintenant on arrive à les péter, c'est cool! J'avais pas une arme sur lui? Je capte le faible signal d'une machine Enigma non loin de votre position. Essayez de la récupérer avant que les nazis la démontent, ok? Bon, j'ai pas envie. J'ai trouvé plus d'informations sur Juju. Il semble que son vrai nom soit Julie Brandt, une aristocrate française qui a rejoint le camp nazi aux toutes premières heures de la guerre. Elle épouse le général Lothar Brandt en 1957. Nazi jusqu'à la moelle.
a l'habitude de façon. Ça va? Je viens de l'apprendre de la bouche d'autres résistants. On leur a tendu un piège, mais la plupart s'en est sorti. L'un d'entre eux aurait vu Lothar et Juju escortés par un escadron d'élite nazi. Je voulais vous prévenir. Ah, escadron d'élite, c'est pas grave, ça. Ça tombe vite. Oh bordel! Je suis pas sûr que je vais réussir à me le faire, hein. Faut bouger beaucoup là. Ramène ton boule ici, s'il te plaît. Je m'en branle du soldat robot. Ramène ton boule ici. Il se passe quoi là? Sandwich quoi. Putain, mais je sais même pas si je le touche, si j'arrive à faire quelque chose. Ah, il est mort là. Merci Uriel. Ouais, c'est facile là, hein, quand même. Bon, moi on a un gros gun de fou là. C'est ici. Allez. Tiens, mais du coup, les armes se rajoutent réellement ou... Ah oui, d'accord. Effectivement. Bon, la vie, on en a pas besoin. Oh, ben, on y va du coup. Hein. Écoutez-moi ça. Juju, alias Julie Brandt, a mené l'attaque sur la résistance ayant conduit à la capture et à la mort de son chef, Emmanuel. Elle l'aurait torturé pendant des jours pour faire plaisir au général Lothar. Ces fils de pute de nazis sont des monstres et doivent crever. Compris? Les filles,
L'entrée du labo X ne devrait plus se trouver loin maintenant. D'après ce que je vois, elle est bien cachée. Alors n'hésitez pas à fouiller les moindres recoins. Hey, don't! Ah putain, ça lui fait pas des masses de dégâts, hein. Putain, même mes flingues font plus de dégâts, quoi. La balle, frangine, t'es au taquet. Ouais, je sais, toujours au taquet. J'aime quand ça pète. Oh putain, niveau 32 quand même, hein. Tu déchires. Putain, c'est une blague. Merci, frangine. Mich hat's erwischt. Helft mir bitte. Eh, meurs, nazi. Du stehst in der Schusslinie. Bewegung, Bewegung. Oh là, ça va être le bordel pour entrer dans le labo X, moi je vous le dis. Ah, hey, bonjour. Continue comme ça. Merde. Je me rends deux secondes. Ah non. Ok, voiture nazie, elle pète pas bizarrement, hein. Je m'occupe du super soldat. Meurs, merci. Putain, mais y'en a combien? Oh! Voilà! Allez, j'ai que niveau 30! Je vais douiller! Qu'est-ce que je cherche ici exactement? Trouver l'entrée du labo X. Max. Elle est sûrement en haut. Enfin, ce que je cherche, hein. Pas l'entrée. Ouais. Bien, mesdames. Sachez que l'ascenseur secret vous conduira jusqu'au labo X et camouflé en colonne Maurice. Quand vous l'aurez trouvé, cherchez les deux autocollants à tête de mort. Vous devrez bien appuyer dessus simultanément pour ouvrir l'ascenseur. Ok. Ok. Ok, ok. Sympa. Allez, let's go le labo X, hein. Putain, même ici ils le font, quoi. Général Lothar a donc réussi à garder le secret tout ce temps. Il doit vraiment avoir le bras long. J'ai cherché, mais il y a très peu d'informations concernant le labo X. Il devrait être... Gardez pour empêcher toute intrusion. Si vous croisez un ordinateur central, prenez les clés des deux commandants qui le gardent et déverrouillez-le pour que je m'y introduise. J'ai Abby. J'en étais où? Ah oui. Il doit vraiment avoir le bras long. C'est bon signe. Ça veut dire que les nazis sont divisés, tu crois pas? Possible. Ouais, je passe comment là? Ah, d'accord.
Ah, ok. Electro. Disquette. C'est un petit croissant. Disquette. Alors du coup, la disquette sert à quoi? Ok, le code. Ça va passer de côté ou pas? Oh putain! Pas un truc pour couper les... Sérieux? Donc du coup, faut y passer de ce côté-là, c'est ça? Ah bordel! Yep. What? Eh, hey, tu fous ma gueule! Merci! Ah, non, c'est... C'est un truc? Rien de rien. Donc... Bon, là j'aimerais savoir parce que là je suis totalement paumé. Est-ce que bon, ok, y a rien ici, on est d'accord. Ah! D'accord. Attention an alle, die mir treu ergeben geblieben sind. Euer Führer, General Lothar Brandt, ist zurück. Et où? Verstanden, Kommandant. Verstärke den Sicherheitsdienst. Den Siegturm hoch und säubere ihn vom treulosen Abschaum. Oh! C'est pas en toi, ça! Oh! Qu'est-ce que... Il sort l'artillerie lourde, Frangine. Ouais, je suis pas fait chier à avoir une compétence pour que ça marche pas, quoi. Continuez, défonce tes bosses. Un petit peu casse-couille de dire que t'as pris une compétence pour pouvoir porter les meilleures armes du jeu pour au final ne pas utiliser quoi. Je vais te le démonter moi ce chien laser. Où ça ce chien laser? Où ça un chien laser? Je lui règle son compte. Ouais, hein? C'est par là, c'est genre plus vite. Le chien laser, il est pour moi. Oh. Bonjour. Bon. Vous avez quoi de beau ici? Y'a pas un nazi ici. Brain! Bewege mich zur neuen Position! Immer Brain! Ergib dich! Oh, tu peux tirer autant que tu veux, hein, c'est une vie de blindé. Voilà. Allez, sauf! Ah, ça y est, ils ont enfin compris qu'il fallait me contourner. Les filles, la dernière partie des bandes de Lothar est défragmentée. Écoutez un peu. Ich habe einen Plan. Ich habe herausgefunden, wo sich die Terroristen verstecken. Wenn Berlin mich ausschalten will, flüchte ich mit Jutu in die Katakomben von Paris. Dort infiltrieren wir das Hauptquartier der Terroristen. Werden sie benutzen, um gegen die Treulosen zu kämpfen und Operation Aufstieg zu starten. Es wird vielleicht etwas dauern, aber glauben Sie mir, General Messer, am Ende werden wir siegreich sein. Heil dem Vierten Reich! Voilà, c'est tout. Oh. Terminé. Geh zur Seite, du versperrst mir die Sicht.
ta médecine. T'es invincible, ça. Figé. Mais putain. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Et allez, j'arrive franchement marre de me faire bumper là, à chaque fois. Continue comme ça, Sof. Merci, Claire. Aïe. Bien compris, Sof. Alors, elle a perdu. Putain! C'est tendax là quand même, hein! Continue, Sorette! T'es une vraie championne! Oh! Je vais lui voter son cul de nazi! Eh merde! C'est passé quoi? Viens m'aider, frère! Putain, mais ils sont combien, ça? Retour sur champ de bataille! T'es génial, Sof! Oh! La vache! Ça, c'est ce que j'appelle du matos! Oh. Merci! Merci! Merci. Je lui règle son compte! Oh, putain! J'avais vu la grenade en plus, c'est le pire! Vous voulez me faire chier? Ok. Eh, hey, Sonya Blade là! Au revoir, Sonya Blade! Montre-leur ce que t'as dans la culotte! Merci, Jess! C'est bon, on a tout flingué. Normalement, il reste le gros en bas. Ah, oui, il devrait être faisable! Arrête de te planquer là, reviens. Je sais pas ce que je vise, mais je vise. C'est bon. J'ai foi en toi, c'est vrai. Oh. Eh putain. Cherchez Blazkowicz. Ah, nice. C'est donc là que papa est censé se trouver, alors? Vous avez mené des expériences sur lui. Non, il ne vaut même pas y penser. Ouais, vaut mieux pas y penser. Ça sert à quoi de faire ça en fait? Personne, ils sont tous morts. Quelqu'un? Non, ils sont pas tous morts. Où il y a un doggy? Ouais, je suis toujours au taquet.
Allez, venez mourir. Encore l'air comme d'habitude. Merci, ça. Si vous voulez vous battre, je suis votre demoiselle. Je m'occupe de lui. Et qui? Ok. Je suis quand même déçu de la puissance du fusil à pompe dans le jeu en vrai. J'attends. Ah, merci. Je m'attendais à un truc totalement pété comme dans ce Wolfenstein, mais là rien. Ou alors ma mémoire me joue des tours et c'est plus pété du tout, mais. Ah, c'est frais. S'ouvre de l'autre côté. Magnifique. Hop. Voilà. Ouh. J'avais pas rêvé, j'avais bien vu Terminator. Vous avez quoi? Quand on fait ce petit truc là, on dirait qu'il est heureux qu'il va mourir en vrai. Il est en mode oh, oh ça y est, c'est la fin. Hop, téléportation. Oh, dire qu'on est presque à la fin là. Et Wolfenstein c'est trop court, j'espère que Doom Eternal sera plus long quand même. Hein. Ce serait pas trop cool d'avoir un repère souterrain comme ça? Ça déco nazi? Ouais, ça déchirerait grave. Allez bébé! Et hop, l'alerte, comme d'hab. En plus là ils ont bien mis vous savez les bons soldats bien chiants à flinguer. C'est génial ça. Grenade. Je sais qu'il faut de la difficulté mais bon. Oui, yeah, niveau 31, Malucette. Qui m'attaque par derrière? Il a rien pris ou j'ai rêvé? Ah quoi. Ça marche. Ce super soldat doit mourir. Ouais, puis prenez tout, hop. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. T'es invincible, ça. Voilà. Parfait. Ah! Pas le code. Fic. Attendez, what? What? Lol. Ok. C'est tellement cool ça. Pourquoi pas? T'avais quoi sur toi? Rien.
Bon, il est où le truc? Et à 10, 4. Et à 10. Et faut la, l'ouvrir en haut. Bon, ça va être l'armure. Tu déchires grave. Vas-y, PC. Ok. 1, 2, 3, 4. Ouais, sérieux quoi, c'est la dernière base, ils mettent quoi comme password? 1, 2, 3, 4. On s'approche. Comment tu le sais? Je sais pas. C'est juste une intuition. Bon, on y va. Allez, sauf. Mais c'est que ça a l'air chouette ici. Carrément un trou noir. Je suis très mauvais au lancer, je sais. J'ai chopé la première clé. Merci, Sam. Continue comme ça, Sam. Merci. Continue de ces armes et nazis comme si tu n'avais pas. Aïe. Amuse. Nazi. On a les clés, Abby. Un hinterhalt. Bien. Maintenant, déverrouillez-moi cet ordi. Continue comme ça. C'est clair. T'es trop là. En plus, on est ultra mal placé, quoi. Il est où le gros? C'est bien que j'avais vu quelqu'un venir. Bon, du coup, j'ai quoi à lui balancer dans la gueule? Oh, bah, ça, on va le faire, non? Gros, t'es où? Mais non, pars pas! C'est bon, là, je crois qu'il est quasi mort. J'ai quoi en toi, ça? Merci, Frangine! Ah putain, on ferait pour en affronter pas autant hein, des gros machins comme ça à l'époque hein. Sur Wolfenstein hein. Le premier. Yep. J'y arriverai pas toute seule, Sof. Aide-moi. Allez ma petite Sof là. Et là on va voir Papa Blasco. Ordinateur déverrouillé. Je vois. Les protocoles de sécurité de ce système sont follement avancés. Laissez-moi 2 secondes. C'est bon, ordinateur piraté. Vite, j'ai trouvé des infos sur l'exosquelette de Lothar. Il a l'air sophistiqué. Si vous le croisez, faites attention, ok? Je vais lui botter son cul de nazi. T'es invincible, ça. Encore? Pas juste moyen de courir et basta. Allez, salut! Moi je cours, rien à foutre. Et hop là! Dites-moi que je rêve. Mais comment c'est possible? Mes petits chéris! Mes petits chéris! Oh, oh.
Dans les années 60, c'était le seul moyen qu'on avait d'arrêter le Führer. Elle pouvait ouvrir des portes vers d'autres endroits, mais un jour, elle s'est volatilisée. Vous avez été suivi ? Non, je crois pas. Les nazis ne viennent jamais là, à moins d'y être obligés. T'as pas été capturé par les nazis, alors ? Non, ma puce. Je me cache ici parce que j'essaie de rouvrir la porte pour revenir en arrière et réparer ce que j'ai foutu en l'air. Qu'est-ce que t'as fait ? Quoi ? Réparer quoi ? Le monde, ma chérie. Oh, allez, papa. T'as tué Hitler. Hitler avait conçu une sorte de machine d'apocalypse qui s'est activée quand il est mort. L'enfoiré voulait que tout le monde meure avec lui. Max a été le premier à s'en rendre compte. Des perturbations au niveau de la météo, des orages de plus en plus violents, des ouragans. Mais pourquoi tu nous as rien dit ? Seth a bien étudié la question. Il n'y a aucune alternative. Ce monde sera bientôt plus apte à accueillir la vie humaine. C'est là que j'ai su ce qu'il fallait que je fasse. Après la mort de Seth, ses travaux m'ont mené ici. La nazie française a essayé de se servir de moi comme d'un coursier, mais j'ai réussi à voir clair dans leur jeu. Après, j'ai trouvé ça. Alors utilise-la, papa. Ouvre la porte. J'y suis pas arrivé, ma puce. Pourquoi ? J'ai suivi les instructions de Seth à la lettre, mais la porte était fermée et j'ai été frappé par... Et j'ai vu une vérité qui m'a fait tout remettre en question. Je comprends rien à ce que tu racontes, papa. Il existe une autre dimension. Une parmi tant d'autres. Elle est séparée de nous par l'immensité du temps et de l'espace et... C'est pas facile. Parle-nous. Dans cet autre monde, la vie est simple et tout va pour le mieux pour notre famille. Vous êtes là, à profiter de la vie comme vous le devriez. C'est tellement beau qu'on croirait un rêve, rien à voir avec notre monde. Celui-là est complètement foutu, à cause de moi. C'est des conneries. Tu te rappelles ce que tu m'as dit dans les plaines ? À propos de quoi ? Quand tu regardes dans la lunette d'un fusil, t'es focalisé sur une tête d'épingle. Tu te souviens ? Ouais. Arrête de te focaliser sur ce que t'as vu et regarde un peu ce qui t'entoure. Peu importe ce qui se trouve dans cette autre dimension, c'est dans celle-ci qu'on vit. Alors il faut qu'on s'arrange pour en faire un endroit qui en vaut la peine. Comme tu l'as déjà fait. Il est peut-être trop tard. Alors on continue à se battre. Ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est de la part de Seth. C'est pas vrai. Canaliser l'énergie des autres dimensions, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Viens par ici, Jess. Ça devrait être quelque part par là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Avec ça, vous devriez pouvoir infliger une bonne raclée aux nazis, mes chéris. Une vraie grosse raclée. Il faut tuer les brontes avant qu'ils s'envolent. S'ils nous échappent, ils auront toutes les cartes en main. Mais tu viens pas avec nous ? Les nazis vont mettre le paquet pour vous arrêter. Je vais rester ici pour les occuper. Ne m'attendez pas.
décoller, Kenneth? Sûrement plus près que toi, Arthur. Frimeuse. Ferme ton claque-merde. Par la maman. Sa gueule. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich. Heil dem Vierten Reich. Ah, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Julie. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend es war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Dreimal darfst du raten. Nein. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit mal an, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Lothar, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! Réponds, Abby. Merde. On a perdu le contact. Oh, oula. Défonce ces boches. Et ça marche comment, la clé de Dieu? Appuyez équipé B. La clé de Dieu, appuyant sur B. Activez-la. Ouais, alors attendez un instant. Je pense qu'on va s'arrêter à la façon. Mais on va faire un truc. C'est que bon... Commande. Assignation de touche. B, il est où B? Équiper la clé de Dieu après récupérer. Je vais changer ça. Juste ça. Ce sera plus intéressant. Comme ça, moi je pourrais équiper comme je veux. Bon, allez, sur ce, mes petits loups, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prochain rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir là. Attitude. Comme d'habitude, je procure beaucoup de messages sur mon conseil, sur quoi c'est le dicton. Je vous laisse, je fais plein de pouces partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, tchao, bye, bouti, que l'amour du pédio soit avec vous. Peace!